Mesdames et messieurs, pour l'autre fois, nous souhaitons bienvenue au sous TV La Caille. Bonsoir, bonjour tout le monde. Et nous comptons avec vous, et ça dépend de l'heure qu'on attend de nous. Ça dépend de l'heure qu'on assiste cette vidéo. Et bien, nous comptons entrer La Caille. Donc, c'est toujours avec même plaisir, même cœur content, chaque fois, nous avons informé le peuple haïtien sur ça. Et bien, cap en passé dans le pays d'Haïti à reste monde là. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, mesdames et messieurs, bénéficie d'un passeport diplomatique grâce avec le ministre, bon, nous avons dit ex-ministre intérieur, qui c'est Litzer Kittel, et bien qui au même temps Lix Kittel dans le kidnapping et PM Ariel décide de révoquer Lix Kittel et ses ministres, qui jouent des rôles à la fois ministre justice et ministre intérieur. Donc ça veut dire deux ministères, aujourd'hui dans le kidnapping, ils révoquent. Et bien c'est ministre Kistel qui et bien tabaye ancien sénateur Moïse Jean-Charles passeport diplomatique ça pour taille mandat dans pays étranger. Et puis gain donc journaliste Booster John qui et bien la police a cherché couche fou et bien pour ta mettre code dans sous Booster John depuis après te fin participer et donc il a désordre G9 tap fait et donc sous pont rouge là côté G9 t'a tiré sous eh bien, l'État haïtien pour t'empêcher ou albay Papa de Saline, yon hommage. Eh bien, la police, dans le moment là, mette mandat de Booster John, quel que soit côté. Yon ta croisé Booster John, eh bien, les gars, Marel Koukab. Nous allons vite au gain de taille, restez connectés sur vidéo, guys, n'a pas tourné. Et, en tant que commissaire du gouvernement, nous décidons, je dis, hein, par rapport avec Action Sahel, nous décidons, by la police, l'autre, pour rechercher tout le monde qui est impliqué dans Axel. Et des mandats ont été déjà décernés. Contre les membres du groupe Genève, qui est adressé avec des CPJ. Il y a aussi des intentions de départ contre un certain Booster John. Monsieur Seou dans Flanders, qui à travers les réseaux, à travers Facebook, qui a incité, et non seulement incité, l'a créé de possibilités pour troubler la société à par rapport avec ça qu'il a fait. Puisque M. Abif Canada lui pensait que la loi n'a pas servi contre lui. Et c'est ça qui fait nous ordonner à ce que directeur de l'immigration, lorsque M. vient pour le voyager, la quête M. et parquet à lui-même, la recherche de M. et mener dans le parquet à pour le connaître, sous qui base que la fait toute action ça. Et nous pensons, avec raison ça, nous prenons avancer contre tout le monde qui pensait à travers les réseaux sociaux, à Balban Dimicro. Faire des bagailles contre la société et nous ne pas tolérer ça. Ça qu'a fait dans l'État et depuis qu'on a déplacé en termes de gros fonds et pour Premier ministre et pour et l'autre monde qui nomme monsieur et qui te mettait lit pour Moïse Jean-Charles et pour PHTK tout, c'est à travers Kittel, c'est finance et Kittel. Donc et donc Kittel senti tellement et les puissants et les dit avec les monde qui est proche et famille hein, et que pas de monde qui a déplacé le côté lié à pas de monde qui a déplacé et n'importe et côté lié à et probablement il dit ça c'est par rapport avec et proximité et avec Premier ministre hein, et puis tout avec Moïse Jean-Charles et qui fait que lui j'ai estimé le puissant. D'ailleurs, faut que moi de tout dans semaine ça, jour et mercredi qui était 19 et octobre 2021 et dans l'après-midi entre après le bureau hein, et c'est qui tel même qui déplacé aller dans le ministère affaires étrangères pour la chercher autorisation pour et bail Moïse Jean-Charles un passeport. À la vérité, autorisation qui était bail là, c'était pour un passeport et officiel. Et passeport officiel là, peut-être, il t'a pas le bail sous forme que Moïse Jean-Charles, c'est membre cabinet et premier ministre de facto à Kittel. Eh bien, au niveau ministère, il a été saisi, et passeport a circulé et donc jeudi matin passeport était en fait très beau et tôt dans la matinée et était en fait et il y a une bail Moïse Jean-Charles un passeport et diplomatique bon et vous m'avez demandé n'importe ancien sénateur et quoi que vous mettez un passeport ancien sénateur vous m'avez demandé ancien sénateur
ou bien n'importe ancien sénateur si yo gagne un passeport et diplomatique après yo te fin sénateur à qui titre ouais donc c'est pour montrer que monsieur tellement est puissant et li gen moun et derrière li gen Moïse Jean-Charles li gen Matéli li gen Ariel et li dit ça et donc ça veut dire selon même monsieur Espérance entre Moïse Jean-Charles et Michel Matéli pas gain trop longueur c'est un petit fil c'est même moun yo c'est même équipe Alors, ou capable de suivre, pendant tout mandat, Jovenel Moïse, là, et ça passe dans le quartier des favoris, nous-mêmes, dans RNDDH, nous documenté 13 massacres, et côté que, ou bien gang yo qui fédéré, gang yo, ouais, gens yo puissants, et gens yo, et qui bien équipé passer la police là moi Jean Charles Bajam le petit doit non pour dénoncer gang yo et cap massacrer population et d'ailleurs pendant et nous songer c'est depuis 2018 et Jovenel Moïse t'est allé Pont Rouge après 2018 il pas calé encore et c'est 2018 qui vient baou l'elle t'allé Pont Rouge il était grand pile tiré et yo te rapporté ni c'est moun la Saline qui te vinn tirer c'est Jacques Pétain qui te vinn gen massacre la Saline 13 14 novembre 2018 et ben l'année passée 18 et novembre 2020 et ben Moïse et Jean-Charles te descendent dans Pont Rouge li fait une manifestation, font rassemblement et manifestation a été démarrée des Ponts Rouges pour aller dans l'ambassade et devant l'ambassade américaine et numéro 2 et gang craché Difea et qui est mort récemment et dans un échange de tir avec la police dans Delma 75 et il était dans tête manifestation à côté et Moïse et Jean-Charles. Ça veut dire, oui, et Moïse, et c'est, bon, c'est un proche et Jovenel, il était toujours supporté Jovenel pendant tout le mandat là, et bon, et alors... Monsieur Espérance, bon, Ou parlez-moi de gang Caché Diffé qui était très proche, alors qui est très proche de M. Diffé. Caché Diffé, son gang Genève. Oui, je sais. Qui était très proche de M. Kittel. Et vous venez révéler là encore que, il y a un chef gang Caché Diffé qui mourit avant, il était dans la manifestation avec capable de mourir Jean-Charles. Donc ça veut dire c'est toujours même équipe yo. Oui. Et ça m'a voulu dire et gang crash et Diffé qui fait et kidnapping non et pour et sous pasteur et c'est Tijinio dans la Saline et machine et qui fait kidnapping non lui et qui ont plaque service l'état et son Nissan Patrol li dans base li garé dans base et Tijinio. Alors les non parler de crash et Diffé de pour parler de yon gang Genève c'est tout c'est yo tout ça pas veut dire que et tout Genève tout gang Genève tout dans kidnapping non mais gen là dans qui dans kidnapping donc c'est pour montrer que Jean ministre est puissant et lui-même lui proche et Genève et allié yon ministre de l'intérieur et puis ministre justice encore ouais et c'est yon nan gang Genève qui fait kidnapping nan et très proche et c'est vrai tout ça qu'a fait dans l'état et des pions qu'a déplacé en termes de gros fonds et pour premier ministre et pour et l'autre monde qui nomme monsieur et qui te mettait lit tant que Moïse Jean-Charles et pour et PHTK tout c'est à travers Kittel c'est finance et Kittel ouais donc Kittel senti tellement
et les puissants et les dit avec les monde qui est proche et famille hein, et que pas de monde qui a déplacé le côté lié à pas de monde qui a déplacé et n'importe et côté lié et probablement il dit ça c'est par rapport avec et proximité lié et avec premier ministre hein, et puis tout avec Moïse Jean-Charles et qui fait que lui j'ai estimé puissant d'ailleurs faut que moi tout dans semaine ça jour et mercredi qui était 19 et octobre 2021 et dans l'après-midi entre après le bureau hein et c'est qui tel même qui déplacé aller dans ministère affaires étrangères pour la chercher autorisation pour et bail Moïse Jean-Charles un passeport. À la vérité, autorisation qui était bail là, c'était pour un passeport et officiel. Et passeport officiel là, peut-être, il t'a pas le bail sous forme que Moïse Jean-Charles, c'est membre cabinet et premier ministre de facto à qui tel. Eh bien, au niveau ministère, il était saisi, il y a